un autre arrêté lors d'une violente intervention de la police dans un hôtel de la ville. C'est le quatrième incident de la semaine lié au trafic de drogue à Miami. Ici Sky 5 en direct du centre-ville pour une interview exclusive du capitaine Julian Dawes de la police criminelle. C'est une enquête en cours. Pas de commentaire donc ? L'enquête est en cours, c'est mon commentaire. Sinon j'aurais juste dit pas de commentaire. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai vu à la télé. C'est reparti comme dans les années 80. Il va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose, j'espère. En attendant, Stoddard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendoza et Dao, dans mon bureau. Vous vous connaissez déjà ? En quelque sorte. Bien. Je vous mets en équipe. Assis. Mendoza, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée. La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenu auprès de Tyson Latchford. Avec qui, l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à merveille. Rompez. Juste pour info, je suivais la piste de Stoddard dans la chambre d'hôtel. Je dis pas le contraire. Mais trêve d'excuses, inspecteur. Non, non, c'est pas des excuses, c'est du contexte. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Il deal de la coke corrigée aux incapables. Ces gars que t'as chopés. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. Alors faudrait qu'on en chope un. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Fais gaffe à toi ce soir. La guerre de la drogue. C'est pas détendre. Je suis au courant. J'ai perdu deux amis en moins de 6 mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolé. Moi aussi. Miami part en couille. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non ? Pour faire le ménage. Stoddard avait raison sur toi. Comment ça ? Il disait que tu kiffais le boulot de flic. Inspecteur ! Inspecteur ! Oh, merde, pas lui. Le pare-brise est sale. Je peux le nettoyer ? Wow, n'arrose pas mon pare-brise. Hey ! Ok. Et si... Filez-moi $5. Ok, je sais. C'est juste que... je suis qu'un capitaliste. Je regrette, mon vieux. Pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier. Soyez prudent, d'accord ? Connard ! Tiens, on n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Sérieux ? Belle ascension, dis donc. Laisse-moi deviner. Toi, tu viens de South Beach ? Non. Pas du tout. Los Angeles, en fait. Orange County. Non. Oh. Beau déclin, dis donc. Ouais. On peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Une saisie de drogue, sûrement. Hé, j'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on me fouille ! J'ai des preuves contre toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hé, Guzman ! Qui c'est, celui-là ? C'est notre vieux pote Hux. Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hotshot. Couchez-toi. Hux, tu sais où est ton ami, Tap ? J'en sais foutrement rien. Vous cherchez Tap ? Ouais, tu l'as croisé ? Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Taps sur la 12e. D'accord, Guzman. Merci pour le tuyau. Bien vu, inspecteur. Putain de merde, ouvre-moi ! Je suis chez moi ! Je peux pas l'empêcher de m'envoyer des textos. Alors t'as grandi ici, mais t'es pas né à Miami, c'est ça ? Non, je suis né à La Havane. Sérieux ? Comment t'es parti ? Avec ma mère. C'est une femme sacrément résistante. Et ton père ? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. Putain, les enfants. On a mis autant de distance que possible entre lui et nous. Il est toujours à Cuba ? À mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Oh, il sortait du lot, y a pas à dire. Ouais, ils ont refusé ma demande d'interdiction.
soi-disant parce que j'ai pas de preuves. Je veux dire, comment je peux leur fournir la moindre preuve? Eh, ralentis. Ok. Tout va bien, madame? Ce putain de couvercle rentre pas. Bonne journée, madame. Ta gueule! Tu veux que j'appelle du renfort, Mendoza? Ouais. Le PC pourrait nous envoyer une équipe du SWAT. On va foutre la trouille à tout le quartier. Ici équipe 13, nous quittons le véhicule. La mairie a bloqué le quartier. Du coup, il n'y a qu'une seule sortie. Tu m'étonnes que les gens en aient ras le cul. Le type qu'on recherche traîne dans le coin, en général. Que tu connais le quartier? Ouais, mais ça fait un bail que je suis pas venu. Je préfère te suivre. Ramène tes miches par ici. Voilà, Brix. Fais gaffe à toi, Mendoza. Ce type est imprévisible. Toujours qu'il soit pressé, putain. Vous voyez, je vais vous dire qu'on peut faire ça comme si on avait toujours fait ça. Et on finit. On bouge plus! Vous voulez quoi? Police de Miami, on a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui lui?
C'est mon nouveau coéquipier, Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote tape. Où est-ce qu'il est? Va te faire mettre. Ok, on va laisser tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Attends, qu'est-ce que tu... Allez, dis-moi où est Tap et on te laisse filer. C'est de la brutalité policière, merde! Ce soir, il est au canapé, ok? C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, Mendoza. Vous vous en tirerez pas toujours comme ça. Je connais mes droits! Quoi, on va simplement le laisser là? C'est pas très malin. Non, mais je suis sûr qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier, et je l'emmerde. Allez, le canapé de Tap est dans les logements d'Arcola. Il va pas s'éterniser. Oh, merde, c'est le gang de Tap. Là-bas. Vaut mieux pas qu'il sache qu'on arrive. Suis-moi. Reste derrière. Allez, par ici. On racontera à personne ce qu'on est en train de faire, hein, Nick? Par rapport à quoi, inspecteur? Brave garçon. Ok. Allez. C'est bon. Vas-y, Kai, passe. C'est très aimable. Désolé d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. Apparemment, ça a pas été facile. Mais t'as assuré. Qu'est-ce que tu penses de Stoddard, d'ailleurs? On n'a pas fait équipe longtemps. C'est une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. N'oublie pas, c'est le territoire de Tap. Si quelqu'un nous voit, il saura qu'on est là. On a intérêt à se la jouer profil bas. Ok. Toi, tu me parles. Si, je défends. Toi, tu défends. Alors comment ça se fait que je gagne? Oh, tu sais ce que j'ai. T'as aucune idée de ce que j'ai. Pourquoi il faut que tu sois comme ça, mec? Ouais, t'as qu'à me regarder gagner. Après, viens pas te plaindre. Allez, joue. Tu vois, c'est pour ça que tes 20 dollars sont à moi maintenant. Et si on passait à 50 dollars? Tu veux en faire une? Ouais, d'accord, mais au meilleur des deux manches. Merde, on est coincé. Balance un truc pour faire diversion. Ouais, ce bruit. Daryl ? On dirait qu'un truc est tombé du toit. Je te préviens que si la clim nous lâche, je vais vivre chez ma sœur. Si ça se casse, je répare. T'as pas été foutu de réparer l'aspirateur. Faut te sauver le chat. Tape est juste devant. Mais pas moyen qu'on passe ces deux types-là sans en éliminer au moins un. Tu pourrais les séparer? Ouais, pas de problème. C'est la bonne arme. Tu parles d'une loi. Personne ne s'attaque au canapé. Jamais. C'est de la connerie, je te dis. En effet, mec, argent facile. Qu'on vienne pas me... Hé, chut, chut, ferme-la deux secondes. T'as entendu quelque chose? Je courrai après. On cherche Tyson. T'es son nouvel équipier?
Elle t'a déjà fait, ça, des mots de karaté? C'est du Krav Maga, le karaté, c'est de la connerie mystique. Tu me fais grave délirer. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs fans de ce ghetto. Tap est resté ici. Lève-toi, main sur la tête. Hé, hey, Tyson, où est-ce qu'il est? Il y a un paquet de monde qui recherche Tyson. Vous lisez pas la presse? Il cherche la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business, mais je vous apprends rien, je crois. Hein. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vous vous trompez dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu demanderais jamais. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Hein. Ouais, au début. Après, on s'en lasse. Tap. Là, je suis choqué, mon pote. Ah, j'ai une ordonnance du Toubib pour ça, hein. Je sais que t'as un casier. Je sais que tu caches ta coke sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors ouais, s'il faut t'embarquer pour détention de drogue, on le fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Oh. Hé, hey, ça va l'oreillette? Ouais, elle tient. Et le micro? Dis quelque chose. Bénédicte Arnold. Hé, hey, tête de nœud, t'es pas Bénédicte Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si Tyson est là et tu ressors illico. Ben tiens, si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même? Pour se taper sur le scanner, Nick. Ton scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. C'est Big Brother, inspecteur. Suis-le avec le scanner pour être sûr qu'il ne fait pas de conneries. Je veux voir Tyson. Tyson? Tu peux pas le voir comme ça, mon pote. Hé, hey, vas-y, juste. Un tout petit service. Lâche-moi, rentre chez toi. Ben quoi? Faut juste que je vois Tyson. Calme-toi, commence pas à t'exciter, cousin. Allez, vas-y, vas-y, laisse-le passer. On y est. Allez, tape, mène-nous jusqu'à Tyson. Je reconnais aucun de ces types. Surveille ton scanner. Essaie de voir à qui on a affaire. Ce truc est équipé d'un micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. J'ai même pas foutu de dunker correctement, bordel! Sérieux? Il y avait faute, mec! Quoi? Mais non, il y a... Elric! C'est super tendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas? Ouais, je vais lui parler. Compris. Tyson est juste là. Je te donne 5 minutes. Parfait. Tap. Qu'est-ce que tu fous là? C'est Tyson. Scanne-le. Voir si tu pouvais me dépanner. On a besoin de prouver qu'il était ici. Merde. J'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Ah, qui t'entend rien à rien. Il va peut-être bouger. T'amuse pas à me chercher comme ça. Ça crasse sévère en ce moment. Tyson! Une toute petite. S'il te plaît. Ok. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? No problemo. Y'a pas de lézard. C'est qui ça, putain? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essaie de scanner autant de mecs que tu peux.
Oh merde, ils en ont après Tyson. Allez, faut le rejoindre, tout de suite. PC, ici l'équipe 13, on a des coups de feu, on attaque. Échange de tir à l'angle de la 3e et de la 33e, toutes les unités en alerte. Allez. Putain. Je te couvre. Mais c'est qui ces mecs? Arrête ces types. Nels a engagé une équipe de Juarez. Juarez? Tu crois que Nels va ramener des mecs de Juarez? D'Atlanta? Ah, je veux bien, mais. Attends, pas bouge pas! Ces mecs qui tirent à tout va, d'où ils sortent? J'en sais rien! Ça doit être les mêmes tarés qui attaquent tous les gangs de la ville. Allez, Nick, passe-lui les menottes. Enfoiré de flic! Kai! Je te couvre, Nick. Je crois que je le connais, ce type. Scanne-le et regarde s'il est recherché. T'avais raison. Cette vermine de tape nous a conduit droit sur lui. 13, un suspect non loin. Ouais, on les a tous qu'il avait un casier. On cherche le corps de Tyson. Les menottes. C'est bon pour nous. On bouge plus! T'es en état d'arrestation! Loli, Mendoza. PC, envoyez le fourgon. Quoi, ce bordel? On est bon. On monte à l'étage. Tyson devrait être par ici. Arrête-toi tout de suite! Il est mal fait. New knock show stopper, get your bang on. Test your luck, get stuck in the war zone. No pity in the city, no. Les mains en l'air, bien en vue. Espèce de fils de. Voyez ce que je vois. Merde. Bouge plus, police, agent sous feu. À toutes les unités. Merde, descendez-le. À ses coordonnées. Entrée dégagée. Vérifie les salles de place. Compris.
Scanne pour voir s'il y a des indices qui peuvent nous faire remonter jusqu'à Tyson. C'est un bon début. Joli. Souviens-toi, si ça se met à biper, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin. T'as trouvé Tyson? C'est quoi ce bordel? Carrie, regarde ça. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion vidéo. Merde. On peut se reconnecter? Oh merde! C'est vous qui les avez conduits ici? Pas vrai? Désolé, mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut, Tyson. Eh hey, merde! Ça s'arrange pas. Hé, hey, ton pote Tap s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde! Écoute. C'était pas mes hommes, ok? Des fois, je leur filais de la cam, c'est tout. Qui essaie de te tuer, Tyson? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance, tu vois? Dis-nous où tu te trouves, on peut te protéger. Désolé, mais j'y crois pas. Et merde. Et maintenant? Tyson est foutu si on le trouve pas en premier. PC, ici 13. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Donnez-nous quelques minutes, 13. Bien compris. On y va. Ça va prendre plus que quelques minutes. Donc on sait ce que faisait Tyson. Mais on n'a aucune idée de l'endroit où il est. Mendoza, faut qu'on sorte de là. Tu crois? Envoyez l'info. Ton pote Tyson n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la gueule. J'envoie une unité sur place. Dès qu'on arrive là-bas, on le chope et on se barre.
Enfonce la porte, Mendoza. Tu sais que t'es censé avoir un mandat ? Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil, à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé, ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel ? Vous savez ce que je fais toute la journée ? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. Bon, on parlera de tout ça plus tard. Merde ! Je suis touché. C'est grave ou pas ? Putain. Oh putain ! Ok. Je maintiens la pression dessus, d'accord ? Enfoiré ! Ça fait mal. Je sais. Tiens le coup. On n'est pas là pour vous, les flics. Nick. Je vais nulle part. Foutez le camp ! Prenez Kaizen ! Merde ! Guy, reste avec moi. Chance de pas vous être vidé de votre sang. Main en l'air, tout de suite! Bonsoir à vous aussi. Inspecteur, vous connaissez cet homme? Qui? Lui? Ouais, c'est un comptable d'ici.